oui. Un boisseau de raisin pèse plus lourd que vos épées. Bienvenue chez vous, monsieur. Je suis Barnabas Basil Fulti, majordome de Corvo Bianco, sur ordre de la Duchesse. J'ai autrefois servi avec distinction la famille Kinibili, puis l'amiral Rompali à Nazaire. L'amiral, vous le savez sans doute, est un gentilhomme particulièrement exigeant. Écoutez, Barnabas Basil, mettons les choses au clair. Je n'ai rien d'un noble ou d'un gentilhomme. Pour tout vous dire, c'est ma première propriété. Oh, dans ce cas, je me ferai un plaisir de vous seconder. Laissez-moi tout organiser et votre vignoble sera bientôt le plus prospère de toute la région. Je m'y engage personnellement. Je vois que je suis bien tombé. Cet endroit est chargé d'histoire. Savez-vous à qui il appartenait avant moi ? Au baron Rossel. Il a été contraint par la faillite de vendre le domaine à la duchesse. Le baron l'avait lui-même racheté à Monsieur Bolius le bourreau, un homme originaire de Kedwen, haut en couleur. C'était un vrai bourreau ? Lui, non. Mais il tenait le titre de son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Un simple coupe-jarret qui s'était élevé au rang de bourreau ducal de Beauclerc. Il éprouvait une véritable passion pour son métier, semble-t-il, au point qu'on raconte qu'il a tranché plus de têtes qu'il n'y a de grappes dans les vignobles du duché. Jamais il n'hésitait, jamais il ne manquait son coup. Pour le récompenser de son service exemplaire, le duc lui accorda un titre et un domaine. Monsieur Bolius, pour sa part, était un ingénieur à la retraite qui s'était installé au domaine pour devenir vigneron. Hélas, pauvre homme fut frappé d'une étrange affliction qui le priva d'odorat et de goût. Pis encore, il ne pouvait plus boire d'alcool. C'est triste. Il a arrêté de produire du vin ? Au contraire, il a redoublé d'efforts. Ses bals étaient renommés dans toute la région. On venait de loin pour goûter son vin et, en voyant ses invités se délecter, M. Bolius se réjouissait en son fort intérieur. Voilà quel genre d'homme il était. Pourriez-vous me faire visiter Corvo Bianco ? Avec plaisir, monsieur. Suivez-moi, je vous prie. Le mieux, je pense, serait de commencer par la colline. Admirez votre domaine dans toute sa splendeur. Magnifique, n'est-il point ? C'est grand. Certes. À présent, permettez-moi de vous le faire découvrir en détail. Suivez-moi, je vous prie. Vous avez toujours exercé ce métier ? Oui, je descends d'une longue lignée de majordomes. Mon père était majordome, mon grand-père avant lui, et même mon arrière-grand-tante. En fait, c'est par elle que tout a commencé. Votre arrière-grand-tante ? Oui, une femme au tempérament bien trempé. Enfant déjà, elle s'était fixé un objectif et rien n'a pu l'en détourner. Elle est arrivée à Beauclerc comme simple femme de chambre chez l'un des vignerons. Puis, elle a lentement gravi les échelons. Elle a ouvert la voie pour le reste de la famille. Les quartiers des domestiques. J'occupe la maison verte. La duchesse m'a donné l'autorisation d'engager tout le personnel nécessaire. Les salaires seront prélevés sur le trésor ducal. C'est gentil de sa part. Je vous l'accorde, l'endroit ne paye pas de mine. Mais j'estime qu'il est bon pour le maître du domaine de savoir où résident ses serviteurs. Le baron Rossel a fait déraciner les vignes de cette partie du domaine pour y planter une oliveraie. C'est un endroit magnifique, surtout au printemps. Même en cette saison, ce n'est pas vilain. S'il pouvait travailler. Votre vignoble se trouve en contrebas. Nous y cultivons une variété de Carvaner, l'un des plus vieux cépages au monde. Vieilli en fût de chêne, il produit un vin délicat aux arômes de mûre, de cerises sauvages, de prunes et de cannelle. Une véritable merveille. Il faudra que j'y goûte un de ces jours.
Joli puits, très pittoresque. Oui, mais il est tari depuis longtemps, hélas. Lors des grandes célébrations, Maître Bolus ordonnait qu'on le fasse remplir de vin. Si je puis me permettre une petite anecdote, un hôte de Maître Bolus, invité au bal pour la première fois et ignorant tout de la coutume, avait le cœur brisé et voulut mettre un terme à ses jours en sautant dans le puits. Les festivités touchaient à leur fin et le puits était presque vide. Lorsque le malheureux se décida à passer à l'acte. Au lieu de se tuer, le pauvre ne parvint qu'à se briser les jambes. Et pour atténuer sa douleur, il en fut réduit à boire le vin qui restait. Il s'est saoulé à mort? Pas du tout. Lorsque nous l'avons trouvé le lendemain, il a crié au double miracle. Non seulement l'eau s'était changée en vin, mais il avait survécu. Il s'est alors retiré dans un monastère du Mont des Dragons pour y prêcher la sagesse de l'Ebioda. Nina, la femme de Monsieur Bolius, avait un petit jardin ici. Ah, c'était un endroit charmant. C'est un peu à l'abandon. Certes, mais rien ne vous empêche de lui rendre sa gloire passée. Vous pourriez y replanter des herbes et des fleurs. Madame Nina cultivait ici des herbes et des petites fleurs. Parfois, j'ai l'impression que leur parfum flotte encore dans l'air. Vous êtes un vrai romantique, Barnabas Basile. Ça allait jusque-là, mais j'ai attrapé la vérole. Cet endroit faisait office de cellier supplémentaire lors des bonnes récoltes. On pourrait en faire une belle étable pour Ablette. Les monstres vous excitent. Moi, c'est une femme. Ça allait jusque-là, mais... Et voilà le cellier. Monsieur Bolius y conservait son vin. Mais le baron Rossel s'en servait également pour stocker l'huile d'olive. J'ai pris la liberté de nettoyer le désordre que... Que j'ai laissé derrière moi en affrontant la Brooks. Merci, Barnabas Basile. C'est gentil. Ça allait jusque-là, mais j'ai attrapé la vérole. Comme vous pouvez le voir, la façade est, comment dire... quelque peu défraîchi. Mais la bâtisse garde un charme subtil, méridional. Un coup de peinture subtile ne lui ferait quand même pas de mal. Bienvenue chez vous, monsieur. Votre chambre se trouve sur la gauche. Sur votre droite, la salle à manger et la cuisine. Vous trouverez à l'étage une chambre d'amis qui sert actuellement de remise. Pas bête. Pour l'instant, la maison est un peu vide. Mais je suis certain qu'ensemble, nous parviendrons à lui insuffler une nouvelle vie. Quelques tableaux accrochés au mur redonneraient à ces lieux une partie de leur lustre d'antan. Voilà, monsieur, vous avez fait le tour du propriétaire. Corvo Bianco est un domaine magnifique. Même s'il faut bien avouer qu'il porte le poids des années. Si, pardonnez mon audace, monsieur, mais si vous acceptiez d'investir une modeste somme dans sa restauration, je serais bien évidemment à votre service. Eh bien, je vais vous prendre au mot. Si jamais je me décide, vous en serez le premier informé. J'ai cru comprendre que le domaine devait être rénové.
Oui, assurément, monsieur. Toute la question est de savoir par où commencer cette cure de jouvence. Je me disais, la façade de la maison, elle aurait bien besoin d'un bon ravalement, non ? Puis-je me permettre une suggestion, monsieur ? Pourquoi ne pas commencer par la rénovation extérieure ? J'ai eu l'occasion de superviser les travaux sur la villa d'été de l'amiral Rompali. Le résultat était tout bonnement époustouflant. Non seulement la résidence brillait de mille feux, mais nous avons également aménagé un bel espace pour exposer la collection d'armes et d'armures qui faisait la passion de l'amiral. Parfait. À vous de jouer, je vous fais confiance. C'est un honneur, monsieur. Dès demain, les ouvriers qui ont rénové la résidence de l'amiral seront au travail. Croyez-moi, ce sont les meilleurs spécialistes. Ils travaillent vite et bien, je puis vous l'assurer. Ce sera rapidement terminé. Deux jours après le début des travaux, vous serez l'heureux propriétaire d'une demeure entièrement rénovée. Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur ? Ce n'est pas la place qui manque ici. On pourrait peut-être en faire quelque chose d'utile ? Bien sûr, c'est une excellente idée. Si vous me permettez une suggestion, monsieur, au vu de votre activité, une meule et un établi d'armurier pourraient vous être d'une grande utilité. Qu'en pensez-vous ? J'ai souvent besoin de réparer ou de rapiécer mon armure. Il me faudrait un bon établi pour travailler dans de bonnes conditions. L'amiral Rompali connaît un spécialiste qui fabrique les meilleurs établis de toute la région. Je vais le contacter séance tenante. Parfait. Vous pouvez passer la commande. Tout de suite, monsieur. Avec un peu de chance, votre établi sera là demain. Désirez-vous autre chose, monsieur ? Dans ma profession, les lames ont tendance à s'émousser. J'aurais besoin d'une meule de qualité. Bien sûr, monsieur. Pour un homme comme vous, c'est un investissement indispensable. Dans ce cas, passez commande pour une meule et installez-la dans la cour. Très bien, monsieur. Je vais envoyer immédiatement un messager en ville. Je pense que vous pourrez aiguiser vos armes à votre guise à partir de... demain. Désirez-vous autre chose, monsieur ? Écoutez, j'ai changé d'avis. Nous aborderons la question des rénovations plus tard. J'aimerais vous parler d'autre chose. Bien sûr. Je suis à votre disposition, monsieur. Merci. Le devoir m'appelle à nouveau. À bientôt. En quoi puis-je vous être utile, monsieur ? Je commence à me sentir chez moi ici. Qu'en dites-vous, Barnabas ? On continue les travaux ? En effet, monsieur. Mais je ne saurais trop vous conseiller d'attendre que les travaux en cours soient terminés. Il est préférable de ne... Merci. Le devoir m'appelle à nouveau. À bientôt. Les rénovations se passent bien, Barnabas Basile ? À merveille, monsieur. Les grands travaux sont terminés, et j'ai pris la liberté d'ajouter 4 râteliers supplémentaires pour vos armes et vos armures, au cas où vous souhaiteriez en exposer certaines. Je me suis également permis d'aménager quelques espaces pour accrocher de nouveaux tableaux.
Par ailleurs, les ouvriers à l'œuvre dans le cellier y ont fait une découverte étonnante. Cela devrait vous intéresser, je pense. Si vous pensez que c'est important, allons voir ça de plus près. Chose derrière ce mur. Un laboratoire. Un alchimiste a vécu ici autrefois. Blanc en personne. Barnabas, que savez-vous sur le laboratoire dans le cellier? L'un des anciens propriétaires s'intéressait à l'alchimie. Un laboratoire alchimique? Vraiment? J'ignorais son existence. Cette découverte doit être intrigante pour un sorceleur tel que vous. En effet, le laboratoire était muré et l'équipement est assez ancien. Ça date certainement d'une époque où vous n'étiez pas encore à Corvo Bianco. En tout cas, ce n'était pas un alchimiste amateur. Des fioles et des flasques en obsidienne, alambic, sublimateur, vengéromètre... Pardonnez-moi, monsieur, mais je ne vous suis point. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit d'un matériel de grande qualité et du vrai travail d'orfèvre. Avec un équipement pareil, les potions doivent être largement supérieures à celles préparées de façon traditionnelle. Dans ce cas, c'est une excellente nouvelle, monsieur. Je commence à me sentir chez moi ici. Qu'en dites-vous, Barnabas? On continue les travaux? Comme vous voudrez, monsieur. Voulez-vous vous occuper de la maison ou du jardin, cette fois? J'ai un peu d'argent à placer, je voudrais rendre la maison un peu plus agréable à vivre. Maintenant que le plus gros des travaux est derrière nous, vous pourriez réfléchir à l'achat d'un nouveau lit, ou encore installer des supports d'armure ou des râteliers d'armes. De plus, nous pourrions également améliorer le confort de la chambre d'amis en achetant de nouveaux meubles et en repeignant les murs.
J'envisage d'acheter un lit confortable. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Une idée judicieuse, monsieur. Dans votre profession, la qualité du sommeil est primordiale. Je connais justement des menuisiers employés par la duchesse en personne. Parfait, vous pouvez passer la commande. Je crois qu'à mon âge, ce n'est pas du luxe. En effet, monsieur, en effet. Demain, à la même heure, votre lit sera installé dans votre chambre. Je m'y engage. Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur ? En suivant la voie, j'ai acquis bon nombre d'armures, toutes plus belles les unes que les autres. J'aimerais les exposer ici, si possible. Bonne idée. Cela ajouterait une touche de caractère à votre demeure. Souhaitez-vous que je commande des supports ? Oui, mais attention, je veux qu'il soit robuste et sans le moindre défaut. Cela va sans dire, monsieur. Rien de pire qu'une armure somptueuse sur un piètre support. Vous pourrez exposer vos plus belles pièces dès demain, soyez-en sûr. Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur ? Je voudrais faire quelque chose pour la chambre d'amis. Je n'attends personne, mais... Je comprends tout à fait, monsieur. Un hôte respectable se doit de disposer d'une chambre d'amis bien pourvue. Et si vous receviez une visite impromptue ? Oui, plus tôt nous commencerons, mieux ce sera. Voilà qui est parlé comme un homme d'action. Je m'occupe de tout, monsieur. La chambre sera prête dans 2 jours. Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur ? Il me faudrait de nouveaux râteliers d'armes pour exposer mes dernières acquisitions. Je connais un charpentier en ville capable de faire des merveilles. Si vous le souhaitez, je peux le contacter dans l'heure. Parfait. Commandez-en 2. Bien sûr, monsieur, tout de suite. J'estime qu'ils seront là demain au plus tard. Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur ? Je commence à prendre goût à cette histoire de rénovation. J'ai bien envie de continuer. Excellente initiative, monsieur. Maintenant que les travaux sont terminés, pourquoi ne pas nous occuper du domaine ? Nous pourrions rénover les tables ou défricher le jardin de Madame Bolius, par exemple. Vous connaissez Ablette, ma jument. Je lui en fais voir des vertes et des pas mûres. Elle mérite tout autant son petit nid douillet. Une belle étable, mais bien sûr, c'est tout à votre honneur, monsieur. Nous pouvons commencer les travaux tout de suite. Rien n'est trop beau pour Ablette. Je vous laisse carte blanche. Comptez sur moi, monsieur. Le temps de trouver les ouvriers, je pense que les travaux seront terminés dans 2 jours environ. Désirez-vous autre chose, monsieur ? Vous savez, il m'arrive d'avoir à préparer une potion, et j'ai parfois du mal à trouver les herbes dont j'ai besoin. N'en dites pas plus, monsieur. Le jardin de Madame Nina, la femme de Monsieur Bolius, est l'endroit idéal pour cultiver des herbes. Il est même assez grand pour y planter des arbustes. Excellente idée, Barnabas Basile. Vous n'imaginez pas le temps que je perds à chercher des herbes. L'idée est la vôtre, monsieur. Je ne suis que l'humble instrument de votre volonté. Les premières graines seront plantées dans 2 jours, au plus tard. Désirez-vous autre chose, monsieur ? Ce sera tout, Barnabas. Merci. Les rénovations se passent bien ? Je suis ravi de vous informer que les travaux sont terminés. Vous pouvez désormais vous consacrer sans réserve au plaisir du vignoble. Pardonnez ma témérité, monsieur, mais je me disais, maintenant que les travaux de Corvo Bianco sont terminés et que le domaine est plus beau que jamais, nous pourrions peut-être célébrer ce moment. Ma foi, pourquoi pas ? En mettant de l'ordre dans la maison, j'ai eu le plaisir de trouver une bouteille de Cepremento millésime 1250. J'ignore par quel miracle elle est encore intacte, mais c'est l'occasion ou jamais de l'ouvrir. Et alors il a foncé tout droit dans la foule, son bouquet enflammé à la main. Tout le monde riait. Les gens ont cru que ça faisait partie du spectacle, même quand le décor a pris feu. C'est seulement quand la barbe du baron Marefkin s'est embrasée que le public a réalisé ce qui se passait, et ils ont fini par éteindre les flammes.
Les balles de Monsieur Bolius et Madame Nina ont dû marquer les mémoires. En effet, monsieur. À cet égard, le baron Rossel était bien plus réservé. Dites-moi, Barnabas Basile, quelle est la situation du vignoble? Pourra-t-on produire dès cette année? Hélas, pas cette année. Un champignon a détruit les pieds de vigne à l'automne dernier. Le baron Rossel a tout replanté, mais il faudra du temps avant que la vigne ne porte ses premiers fruits, en espérant que le champignon ne revienne point. Oui, ce serait dommage. Ce Cepremento est une petite merveille. N'est-il point, monsieur? Permettez-moi de vous resservir. Merci. Régis! Bon sang, c'est fermé. Il n'y a pourtant pas d'erreur. C'est forcément ici. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Intéressant. Hmm.
Et me voici au cimetière avec un vampire. Quel autre cliché me réservez-vous ? Rien ne me vient à l'esprit, désolé. Vous auriez pu laisser la porte ouverte ? Et ma vie privée ? J'y tiens énormément. Je n'ai pas envie que des étrangers y pénètrent. Et puis, je savais que vous trouveriez un moyen d'entrer. Pas faux. Je dois retrouver votre ami. J'espère que vous accepterez de m'aider. Je ferai de mon mieux. Toutefois, ce que vous voulez ou devez importe peu. Ce qui compte, c'est ce que veut Detlaff. S'il n'a pas envie qu'on le trouve, vous ne lui mettrez jamais la main dessus. Point final. Il doit pourtant y avoir un moyen. Un vampire peut échapper aux détections sensorielles, et aucune magie divinatoire n'a de prise sur nous. Un mégascope ultra précis ne donnerait rien. Et ça, c'est utile ? Où l'avez-vous trouvé ? Une victime de la bête a été trouvée près de la rivière. Le corps était taillé en pièces. Trois des morceaux étaient des mains. Mais la main à l'anneau se détachait du lot. Une Brooks s'y est intéressée. Aucun doute, c'est la main de Detlaff. Elle fera parfaitement l'affaire. Très étonnant, cet anneau. Fait d'un métal que je n'ai jamais vu. Quant à l'ornementation... Il vient de chez nous, du monde où nous vivions avant la conjonction des sphères. Il m'a appartenu. Je le tenais d'un ami cher. Qualifions-le d'humaniste. Ils nous voyaient, nous autres vampires, comme des invités devant le respect à leurs hôtes, à savoir les humains et les races anciennes. Le respect, vous dites ? C'est-à-dire sans nous traiter comme du bétail ? Précisément. Raison pour laquelle j'ai offert à mon tour l'anneau à Detlaff, pour lui rappeler les idéaux de mon vieil ami. Cette main, que comptez-vous en faire ? Connaissez-vous la théorie de Covinarius sur la mémoire des tissus ? Je crois me souvenir. J'ai lu Alchemia Oblitera. Il en existe un exemplaire en très mauvais état à Kaer Morhen. Sauf erreur, Covinarius n'a jamais réussi à étayer sa théorie. Si, mais il n'a pas publié ses résultats. Nous correspondions, voyez-vous, et nous sommes liés d'amitié. C'est ainsi que je sais qu'il a mené ses recherches à bien et accompli les premiers tests. Sans entrer dans des détails compliqués, il est possible d'utiliser n'importe quel fragment pour reproduire ce qu'a vécu un corps entier. Comment ça marche ? Il faut un équipement spécial ? Nous devons préparer une décoction à laquelle Covinarius a donné un nom poétique. Résonance. Celui qui la boit entre dans une transe similaire à celle que génèrent les narcotiques. Elle provoque des visions d'événements liés aux émotions fortes du possesseur des tissus. Comme si l'on rêvait la vie d'autrui par fragments. Il existe donc une chance de voir ce que faisait Detlaff quand il a perdu sa main ? Absolument. J'espère en outre que la résonance nous permettra de deviner où il se cache. Pourquoi ne pas invoquer Detlaff ? Entre vampires supérieurs, il doit y avoir un moyen. En toute honnêteté, c'est en effet une solution. Mais croyez-moi quand je vous dis qu'il faut la garder comme dernier ressort. Tout dernier. Dernier ressort ? Pourquoi ça ? Un être est en mesure d'invoquer Detlaff. Il possède l'autorité et même le pouvoir pour le forcer à apparaître où il le souhaite. Cependant, contacter cet être reviendrait à marcher sur un fil au-dessus d'un gouffre rempli de lave en fusion. Cet exercice serait aussi périlleux pour moi que pour vous, et je ne m'y risquerais pas. Je vous en prie. Faisons à ma façon, ce sera plus simple et plus rapide. Covinarius a consacré sa vie à tenter de prouver sa théorie. Du coup, j'imagine que la résonance est ardue à fabriquer. En effet, outre les tissus de Detlaff, il nous faut un puissant stimulant du lobe occipital.
En clair, un poison assez fort pour provoquer les visions. J'ai bien quelques ingrédients en tête. Manque de bol, ils sont tous rarissimes. Il y a les glandes de fée Mamoun, mais les plus proches vivent à Vizima. La salive de nécrophage tachetée. L'espèce s'est éteinte depuis plus d'un siècle. Des yeux de cobalt à la rigueur. C'est hélas une espèce intelligente, je me vois mal en énucléaire. Étant donné que nous manquons de temps pour partir en chasse, permettez-moi de solliciter de l'aide. C'est quoi, ça ? Un corbeau. Très commun sous cette latitude, et très intelligent. Je lui ai demandé de se mettre en quête des créatures mentionnées avec ses frères. Ils en trouveront peut-être une à proximité. Je gage qu'un vol de corbeau peut repérer une créature précise plus vite qu'un sorceleur solitaire, malgré tout le respect que je dois à vos dons, mon ami. Cela étant, il risque de mettre un bon moment à revenir. Une tournée de Mandragore ? Pas trop d'humeur à ingurgiter vos mixtures. Surtout vu la façon dont elles font dire des choses qu'on aimerait garder pour soi. Je ne suis pas prêt d'oublier. Geralt de Rive, auriez-vous l'âme coupable ? Seuls ceux qui ont honte de la vérité cherchent à la taire. Sans façon, merci. J'ai justement besoin d'un somme. L'occasion est trop belle. Vous ne dormez que d'un œil, un peu comme les vampires. Êtes-vous sûr qu'on ne vous administre pas quelques-uns de nos gènes pendant l'épreuve des herbes ? Le compliment me va droit au cœur. Du nouveau ? Vous aviez vu juste. Ni kobold, ni fée Mamoun a des lieux à la ronde. J'en étais sûr. Laissez-moi finir. Il y a néanmoins ce nécrophage tacheté qui hante un manoir à l'abandon dans le bois de Caroberta. Impossible. Les miens ont aussi le dernier nécrophage tacheté avant ma naissance. Il semble que vous devriez réviser vos connaissances sur les nécrophages tachetés, car on dirait que celui-ci a résisté aux assauts de vos confrères. Je connais la demeure qu'il hante d'après une rumeur locale. On dit que l'endroit est maudit. C'est peut-être ce qui a permis au nécrophage d'y couler des jours paisibles. Que savez-vous sur cette malédiction ? Rien de précis, hélas. Je n'attache guère d'importance à ce genre de choses. J'en ai entendu parler incidemment. Rien de plus. Allons. Fouillez votre mémoire. Le moindre détail peut m'aider. Il y a un lien, je crois, avec la faim. Ou avec l'avidité, la rapacité. Quelqu'un a été puni de quelque chose. Oui, c'est l'idée générale avec les malédictions. Désolé, Geralt. J'essaie de ne pas m'encombrer l'esprit avec toutes les balivernes sur les histoires que j'entends. Qu'avez-vous en tête ? Le survivant d'une espèce que l'on croyait éteinte et une malédiction au même endroit. Pure coïncidence ou pas ? Ah, la curiosité professionnelle. Je n'ai rien contre le fait de creuser plus avant cette histoire, mais gardez en tête qu'il nous faut la salive de ce nécrophage, impérativement. Les nécrophages vivent rarement dans les bois, et encore moins dans les maisons, fussent-elles à l'abandon. Ils hantent les recoins sauvages, les anciens cimetières. Où voulez-vous en venir ? Je doute qu'il s'agisse d'un nécrophage tacheté. L'assistant à plume a dû faire erreur. J'en doute fort. Les corbeaux sont supérieurement intelligents.
et doté de facultés d'observation hors du commun. Et qu'ont-ils observé, au juste ? Les environs du domaine sont jonchés de cuillères. De cuillères ? Épargnez-moi le sourire narquois. Je ne fais que rapporter un fait. Le nécrophage tacheté les thésaurise-t-il ? À moins que les cuillères aient un lien avec la malédiction. D'accord. Commencez à préparer la décoction pendant que je pars chercher la salive du nécrophage. Il s'en sert dans ses brouets. Pensez-vous réellement qu'il va vous en vendre ? Au pire, je reviendrai avec ses glandes salivaires. Elles devraient faire l'affaire. Un instant. Je vous ai imaginé priant le nécrophage de cracher dans un tube. Perspective amusante. Mais en effet, les glandes salivaires feront l'affaire. Très bien. À plus tard. Oui. À plus tard. Je vais compulser quelques ouvrages. Des ouvrages ? Je croyais que vous alliez préparer la décoction. Il nous faut un dernier ingrédient qu'il pourrait être délicat de se procurer, hélas. J'espère découvrir une alternative adéquate. D'accord. Bonne chance. Vous aussi, mon ami. Tout doux maintenant. Les linges, les bandages. Qu'est-ce que c'était ? Les linges, les bandages. Où les ai-je mis ? C'est inutile. Les bandages ne lui serviront plus à rien. Quoi ? Mais il respirait encore il y a un instant. Il a perdu trop de sang. La jambe est cassée, son artère fémorale est sectionnée. Une blessure pareille vous emporte en quelques minutes. Grand Dieu ! Que s'est-il passé ici, au juste ? Je passais ici avec tout mon chargement quand j'ai entendu crier. Puis, j'ai vu ce type en train de ramper vers la route avant de perdre connaissance. J'ai sauté pour le secourir et c'est là que vous êtes apparu. Levez-vous et écartez-vous de lui. Quoi ? Moi ? Que me reprochez-vous ? Un bon conseil. Ne m'obligez pas à le répéter. Allez-vous me dire ce que vous cherchez ? Je m'assurais que vous ne mentiez pas. Vous seriez couvert de sang si vous lui aviez infligé ses blessures. Or, vous n'en avez que sur les mains. Puis-je savoir qui vous êtes, au juste ? Un sorceleur. Ah, je vois. Pensez-vous qu'il ait été victime d'une bête ? Voyons ça de plus près. La jambe est brisée, mais c'est cette plaie qui a causé la mort. Blessure petite, mais profonde. Bord net. Elle a été faite avec une arme d'estoc ou peut-être une griffe de wyverne. Difficile à dire. Tiens, voilà une cuirasse inhabituelle. Elle est abîmée et patinée. Une antiquité, je pense. Je vends ce genre de choses. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la portait-il ?
Ça, ce n'est pas lui qui nous l'apprendra. Il ne me reste plus qu'à trouver d'où il venait. De cette maison, j'imagine. Mais je dois m'en assurer. Le travail m'appelle alors. Au revoir. Attendez, je viens avec vous. Vous plaisantez ? On ne va pas à la pêche. Ce qui l'a tué est extrêmement dangereux. Et rôde peut-être encore dans les parages. Donc, si ça ne change rien, je préfère vous accompagner. D'accord. Mais restez près de moi. Soyez discret et ne touchez à rien. La piste va vers la maison sur la colline. Qui est silencieuse comme un cimetière. Ce doit être ici qu'il s'est brisé les jambes, en tombant du mur. Le portail lui a résisté, alors il a tenté de fuir le domaine en escaladant le mur. Merde. Mes aïeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait un banquet? On dirait bien. Qu'en pensez-vous? Est-ce que personne n'a survécu? Grand Dieu. Une servante. On l'a tuée avec un objet tranchant. Au moins 10 coups, dont certains post-mortem. Cela ne peut pas être l'œuvre d'un homme. C'était un monstre, j'en suis sûr. De la vaisselle en argent. Des gravures elfes. Le torse a été violemment transpercé. Le cou a traversé l'acier renforcé. L'homme sur la grande route, il avait la même cuirasse. La gorge a été réduite en charpie par un coup unique et puissant. Le bouclier est vieux et abîmé. Une épée de cérémonie de facture Enseid, de toute évidence. Des bols cérémoniels pour de petits sacrifices. Quels sacrifices? Pas des humains, j'espère. Chose a dû brûler ou exploser. L'odeur est forte. Plaies multiples sur le corps. Que des blessures perforantes. Mais causées par quoi? La victime est un humain, mais en tenue d'elfe. En êtes-vous sûr? Où se l'est-il procuré? Les non-humains sont plutôt rares à Toussaint. Il a fui, puis il s'est jeté par terre pour éteindre les flammes. Sans succès, l'odeur de brûlé se dissipe. Quelqu'un de plus chanceux est peut-être parvenu à fuir. Le pourpoint est brûlé. Son propriétaire a pris la fuite après s'en être défait. Il n'y a peut-être personne, après. Je sais que vous êtes là. Vous respirez bruyamment. Ouvrez, je ne vous veux aucun mal. Est-ce qu'ils sont toujours là? Je viens vous aider. Mais pour ça, il va falloir d'abord répondre à mes questions. Qui êtes-vous au juste? Durand Fauché Plamondon de Savarin, seigneur de ces terres et président de l'Amicale des historiens de Toussaint. Nous nous rencontrons ici chaque année pour commémorer l'anniversaire de l'hommage elfe.
Mais ça, c'est une première. De qui parlez-vous? Qui vous fait peur? C'est... J'ignore ce que c'est, des esprits. C'est arrivé si brusquement. Nous montions une scène d'Ivetaf rendant hommage. Un éclair m'a aveuglé, puis j'ai entendu des cris, mais je ne voyais rien. Ensuite, j'ai senti que mes vêtements s'enflammaient. J'ai fui, jeté mon pourpoint, foncé ici, ventre à terre, et fermé la porte à clé derrière moi. Ils ont tenté d'enfoncer la porte. J'ai bien cru qu'ils parviendraient à leur fin, que j'étais fichu, mais au final, le calme est revenu. Donc, en rejoignant une scène du passé, vous avez invoqué par mes gardes un spectre. Un corgoplasme, ou peut-être un tsoub. Et maintenant? Maintenant, le mieux serait de recommencer, c'est évident. Auriez-vous perdu la raison? Voulez-vous que cette chose nous tue? Non, je veux l'empêcher de tuer. Quoi que ce soit, c'est justement pour ça qu'il faut l'invoquer à nouveau, et s'en occuper définitivement. Durant, vous pensez que je peux rejouer la promesse et l'hommage seul? C'était un moment important et même capital. La reddition du dernier roi elfe de Toussaint. Il vous faudra au moins 3 personnes. Vous savez ce que je vais vous demander. J'ai besoin de votre aide. Mais je comprendrai si vous refusez. Pas d'objection? Parfait. Mettons-nous au travail. Commencez par évacuer les corps. On a un peu de temps. Nous reprendrons la cérémonie après le crépuscule. Ce sera plus propice au rituel. Et une dernière chose. Ma prime. Je ne travaille pas gratuitement. Je comprends. À assurer notre protection et je vous récompenserai généreusement. Je vais prendre la place du roi Ludovic, sur le trône elfe. Vous, sorceleur, incarnerez le souverain des Enseïdes. Nous devons enfiler les costumes, tout doit être parfait. D'Ivetaf, le roi elfe, accueillait Ludovic dans son propre palais, sur son propre trône, dans la lumière aveuglante d'une pléthore de torches. Ivetaf posa au pied de Ludovic du Binen, le pain elfe, permettant ainsi aux humains de régner sur les terres fertiles. Ensuite, Ivetaf emplit les bols cérémoniels décorés de vin elfe appelé Gwynoed, le sang le plus doux de la terre. Enfin, le roi elfe attrapa son épée et son bouclier pour transmettre symboliquement le commandement de ses armées aux humains. Le roi elfe, roi et fier Ludovic, prit alors la parole. J'accepte votre serment d'allégeance et reviendrai dans un an pour... Ah ! Regardez ! Regardez ! Les statues ! C'est impossible ! Par les dieux ! Bonne mère !
Les sculptures, par quelle diablerie se sont-elles animées? Je n'en ai aucune idée. Ma spécialité, c'est de tuer des monstres, pas tellement de les ranimer. J'en ai peut-être une idée. Les statues se trouvaient jadis dans le palais de Divetaf. Je les ai achetées il y a un mois, car... je devrais commencer par le début. Ce Divetaf devait rendre hommage aux humains en produisant des statues semblables chaque année. Mais il ne le fit qu'une fois, car il périt lors du massacre des non-humains au pied de la montagne Gorgone en 782. C'est plutôt une chance, car Divetaf planifiait la chute de Ludovic. Il n'avait point sculpté des statues, mais des golems en ayant l'apparence. Des golems activés par des paroles d'hommage. Des golems qui n'auraient eu aucun mal à éparpiller le roi et ses gardes du corps en petits morceaux. Évidemment, les elfes sont la trahison incarnée. Vous ne valez pas mieux. Les elfes défendaient simplement leur territoire. Mais le leur prendre ne suffisait pas aux humains. Il fallait éliminer les elfes jusqu'au dernier. Vous nous accusez ? Mais vous êtes aussi humain que nous ? Oui, en un sens. Et j'ai parfois assez honte de l'admettre. Je désapprouve vos propos, sorceleur. Mais vous ne repartirez point les mains vides. Acceptez cette récompense. Au revoir.